On va voir si c'est si fou, si c'est pas fou. Ah, fallait la sortir celle-là. Il y a des ninjas là. On a vu des ninjas. Il se passe des trucs. On commence déjà à faire de l'action. Cheveux longs, tel Shiryu. Heavy attack. On casse tout. On fait des contres. Ah. Ok. Ah. Il vient à peine de se réveiller. Hein. Il a une tête. Ah, il est. Il dormait avant. Hein. Allez, on est parti. Ah, mais non, madame. Leave him to me. Alors c'est elle la chef hein. Ok, on va voilà. Je pense qu'il faut remettre les choses à leur endroit. Voilà. Je pense qu'ils lui ont craché dans la bouteille de lait. Dans son yop, peut-être, je ne sais pas. Ouais. J'ai vu tous les films de Bruce Lee. Hein. Tiens, oh là là, comment je l'ai tué. L'autre, elle est arrivée comme ça, là, tranquille. Hein? Eh ouais, mon gars. Tiens, c'est la famille. Comment tu vas? Eh ben, ils ont l'air fatigués. Hein. Ils sont fatigués. Il y a un petit peu de sang quand même. Il y a un petit peu de sang. Bien sûr, aucun artiste n'a été blessé durant ce tournage. Hein. Alors il pleut. Alors regardez avec moi. Regardez sur le sol les lumières là. Les lumières sont pixelisées. Ah ouais. Le reflet des lumières. Il y a des petits carrés. Il y a des pixels gros comme mon poing sur le sol. Voilà. C'est juste un petit détail. Hein. Bien sûr un jeu fait par. Alors c'est édité par Microids. Alors excusez-moi, j'ai un petit peu de tout encore. Oh là, il y a du monde là. Ah. You said they'd put up a fight. I'm barely breaking a sweat. Ouais, alors qu'est-ce que c'est Don't be so arrogant. Sois pas si arrogant quand même. Alors. Je recule un petit peu le micro, voilà, comme ça. Ça va permettre. Voilà. Là. Ouais. Alors, que se passe-t-il? Donc, ils font partie de mon crew, hein, je pense. Ah. Interaction avec les chaises. Est-ce que je peux mettre des coups? Oui, je peux. Ah. Ah, ton pantalon est pixelisé. Hein. Faire attention. Alors. Ah, ils ont tout cassé, ils sont passés par ici. Hein. Donc, alors, vérifions s'il y a quelqu'un à la maison. On sait jamais. Ah, il n'y a absolument rien. Rien à récupérer. Alors, est-ce qu'on peut courir? Alors, ça c'est un focus. Ça c'est une garde. Ça c'est juste c'est pas quoi. Alors, rush c'est hold R2. Bah voilà, le voilà. Donc allons-y. Alors, une petite mélodie derrière là. Assez fine de kung fu, d'action. J'aurais dû penser à prendre mon parapluie. Ah, la cuisine. Bon, tu te relèves, toi? Quand même pas. Bah alors.
C'est un restaurant, une réunion familiale. Bonjour. Excusez-moi. Excusez, il y a de la place pour moi? Tiens. Qu'est-ce que je fais? Bah, je suis là. Eh, dis donc. On se croirait dans les films de Jet Li. Je vais atteindre le point vital de la gorge. Vous le saurez quand vous serez maître. Allons-y. Alors, que se passe-t-il? Il est par là. Bon. Allons-y. On le cherche. Ah, c'est le maître. Yang, of course. You've gotten slow, Sifu. Ah, le maître. You know why I'm here, don't you? Just step aside. You were a mistake. I should never have taught you. Now you know too much. Donc qu'est-ce qu'on recherche là? Here tonight. You've given me a second chance. Alors, combat fratricide contre notre maître, il me semble. Notre Sifu. Alors, voyons voir. Que moi j'ai étudié, mon gars. J'ai étudié, hein. J'ai vu... Alors... Oh là là. Et oh. Voilà, du calme, monsieur. Est-ce que vous avez payé vos allocations d'abord? C'est mauvais pour votre cœur, monsieur. Alors, moi je, hein? Je voulais juste vendre un petit peu des cookies, monsieur. Ah, il m'a cassé là. Oh, cassé. Je vais me cacher ici. Ah, et puis il m'a pas vu. Ah! Et voilà, ça marche à tous les coups. Je vais lui faire la même. Je me cache ici. Tu me vois pas. Ah, il m'a vu là. Le coup spécial là. Eye strike. Et ouais, dans les yeux là. Le coup du serpent. Le coup du serpent venimeux. Sous la pluie, c'est plus cinématographique, hein, quand même. When I look into your eyes, I see nothing but a frightened, angry child. Dans le dos, là. Et ouais, mon gars.
Saleté. Ah, il me casse le mec là. On a rien à focus, ok. Parce que là le combat commence à prendre du temps là. Est-ce que j'ai du focus? Non. Rien de focus. Mais non. C'est le drame. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? En tout cas, ça a de la lumière. Show yourself. Ouh, alors, show yourself. Donc, on est un enfant, un petit garçon. Donc là on va commencer à comprendre le scénario, je pense. Le maître s'est fait tuer, et on va se venger un à un, je pense. De ces mecs là, hein. Le mec qui est le petit enfant, ça va être. Ah, ou pas. Ou pas. Ah, on s'est fait cut. Ah, mais on a le pouvoir ancestral. Tant de mains. Et on n'est pas mort. Donc slow clap. C'est eux qui ont fait le jeu et édité par Microïds. Donc notre père est mort. Et on va aller se venger, je pense. Je pense que c'est ça le scénario. On est plus grand, on s'entraîne. On va se venger. The Botanist. Le Stance. Il faut le tuer. Bon, là c'est l'entraînement. De faire du kata.
mes enseignements vont porter leurs fruits. Artiste. Alors, elle ou machin. Elle, il manque de CEO, il manque un bras. C'est pas mal, ils font l'intro en mode tutoriel. Alors, deux leaders. Present day. On se retrouve dans le dojo. Ça, c'est les investigations, il me semble. Donc on a un arbre de compétences et on peut débloquer des trucs. Ok. Yes. Qu'est-ce qu'on a sur le bureau? Investigate de botaniste. Yes. S'entraîner. Okay. C'est l'entraînement, ok. Là, je peux rien faire. Allons-y. Alors en fait, on va être en train d'investiguer tout ça dans différentes zones et je pense que c'est beat them up. They've blocked the entrance to the warehouse. Need to find another way inside. Okay.
Another way inside. Alors, c'est pas. Voilà. Tranquille. Viens là, toi. C'est expéditif. Any regrets now? Alors c'est couloir, hein. Ça c'est couloir. Est-ce qu'il y a encore d'investigations, des trucs à récupérer peut-être? Non. Ah, peut-être oui. Je peux récupérer un truc pour tabasser là. Il y a du monde en haut. Hello. Comment tu vas? Fuck you doing in here? Je sais pas si c'est bon chemin, mais je rends visite à des amis. Alors, excuse-moi, je ne fais que passer. Vous avez séché votre linge. Ne vous inquiétez pas. C'est bien par ici. Fermé. Allô. Comment vas-tu? C'est violent. I can make it. Just need to run at it. Ok, faut courir. You, stay there. Coucou. Ah. He's on fire. Alors, est-ce qu'il y a encore? Salle de toilette. Ah. Coucou. Help you with something? Oh, m'a buté. Oh, tout continue. Death Rise, ok, alors on peut utiliser. Donc on vient de vieillir d'un an. Ok. Ça va plus vite avec la barre. Passer par ici.
Guy's on his way to you. Alors les ennemis sont assez coriaces. Oh là là, vas-y. Alors unlock, alors swing focus, nanana, XP, ouais on unlock hein, de toute façon. On peut hein. Authorize. Ah non, 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 ah non, c'est mon tour. Okay. Warehouse. I'm getting closer. On va aller là-bas. Warehouse. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ici? Genre. Attends, là il y avait des bouteilles ou des trucs là. Non? C'est pas grave. On va faire avec les moyens du bord quand on y sera. Ah, alors, structure, ça fait quoi? Pick one reward. Maximum structure, health gain, attack down. Increase weapon durability. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça. Allez. Agile, hein. Another jump here. I can make it. Ah, un boss ça. Il a son aura et tout. Ouf, oh, il m'a fait mal. Ah, c'est le pognon, ça. Du pognon. Disons. Un truc.
Dégâts. Alors, permanent lock, lock, je m'en suis là. Unlock avant. Déjà que ça va me permettre de voir. Tu veux plus d'indices? Ah, ils avaient leur masque pour le Covid. Hein. C'était pareil, les mecs. C'est consciencieux dans leur travail. How the fuck you get in here? Attends, je me casse. Non, je peux pas. Si, j'ai envie de me casser. Je peux pas. Don't even think. Oh là là. Really? You want some more? Non, mais vas-y, j'étais concentré pour essayer de lui faire un coup là. Un coup spécial. Stay down, damn it. Yes, on a récupéré des clés. On a récupéré les clés pour l'entrée. Ah bah non, c'était par ici. On a bien accueilli. Hein. Est-ce qu'ils m'ont vu? Non, personne ne m'a vu. Personne ne m'a vu, à part lui. On prend le bambou. On tient le bambou là. Vous un à un là, ça sera plus pratique. Insane.
Ah! Hello, hello, Torbjorn, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à toi. Allez, la trentaine. On est bien là. No freaking way. C'est elle qui l'a cherché. Ah non mais vas-y quoi. Holy shit. I pity you. Alors ouais, quoi. Là, je vais te démonter quoi. Alors, c'est Papy Commando, non? Non, 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 c'est pas Papy, hein, regarde. C'est Sifu. C'est Sifu. On récupère des indices. En fait, on fait une investigation sur la mort de notre maître assassiné par un de ses disciples. Comme tout bon film chinois. Ah, il y a du monde. Alors, don't care, expect enemy, move aside. I don't want to have to hurt you. You must be joking. Nerves get the better of you. Et non, il m'a buté. Il m'a buté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai jamais tendé. J'ai jamais tenté. Donc si on fait death. Alors lose the grand shrine. Ok. Alors, je l'avais pas testé, je t'étais. Hein. Ah, tu fais un papy. Ah bah bien, bien, bien. Un petit papy commando. Alors est-ce que je recommence depuis le début? Ah. Ok, alors c'est à dire que si on utilise notre pendentif, on prend de l'âge, et si on met give up, et ben on se retape tout. Et ben mince. Bon, ben on va la faire à la John Woo. Un film de John Woo là. On y va comme un bon vrai maître. Ouais, j'avais pas encore testé, je savais pas si en fait on il y avait un checkpoint, mais en fait non, le checkpoint il est depuis le début. C'est au début de la mission. Et ouais, je l'ai contré, mon gars. I can make it. Just need to run at it. You looking to score something? Normalement. C'est pas de répit, c'est ce qu'on dit. Tiens. Et ouais. Purple Mist, donc ça doit être une espèce de drogue. Get the better of you.
Enfin, elle a rien vu quoi. Ah la meuf. On a fait le ménage là. Alors, on progresse bien. Fast bags on his weight. Excusez-moi, madame. Je ne fais que passer. Guys, we got company. I pity you. Ah, non. J'ai pas fait gaffe. Alors on passe à 21 ans. Bon, lui on va finir. Hein. Bon, elle se la joue dans le dos là, ça va pas le faire. Tiens. Waouh! Elle a fait mal le mec là. God damn it, would you just die? Quoi, elle a pas crevé quoi, c'est pris l'ultra instinct quoi. Casson. On va récupérer un truc là. Any regrets now? Oh là là! Entre l'ultra instinct et l'autre avec son tuyau là. Why won't you die? Mais what quoi? Ah mais toi tu vas y passer. Purée, saleté. Ah bah elle est tombée. Yes, là on a bien assuré. On a vu l'indice. Who in the fuck are you? You'll pay for that.
Ah, la saleté, là. Ça... Je suis encerclé, quoi. Alors, on unlock... On unlock tout ça, là. Ça nous fait plus de coups. You must enjoy the taste of defeat. I pity you. On se casse. On se casse. Il y avait des trucs là. Oh là là. Mais what? Putain, y'avait quoi là? Ah. Purée quoi. H29. Là, il y avait une clé quelque part. Elle était par là, je crois. How the fuck you get in here? Ah, elle est là, ouais. Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Tomber. Ils arrivent. Ah, il y avait la petite barre là. Oh purée. Juste quand je l'ai chopé. Je peux choper les trucs.
That's it. Get up. Shit. He's on. Dans le jeu, faut vraiment utiliser tout ce qu'on a autour de nous. Be careful. He's got a weapon. Ah, la meuf. Mais what? La meilleure tactique, c'est l'attaque. Là, on a rien, on a récupéré. Phase d'exploration hein, un petit peu dénuée d'intérêt. Hein. On a passé par des endroits. On n'a rien à récupérer, c'est un couloir. Il y a quoi par là? Ce serait pratique, hein. C'est ce qu'on appelle avoir la main verte. Y casser en plus. C'est plus 4. Allez, on prend. Moi, je veux voir ce que ça fait. À chaque fois.
Ah, quand il fait le truc... Quand il fait le petit coup de pied rouge, en fait, je peux pas le bloquer. Ok. Bien balèze hein. Plus 6. c'est la folie. C'est la folie. Je suis en train de gagner de l'expérience. C'est ça. J'ai plus d'XP à chaque fois. Cette forêt là. Mais comment j'esquive le truc quoi. Saleté. Saleté, saleté. Allons-y, allons-y, on prend de l'expérience, on prend de l'expérience. Allez, 60 balais. On peut pas en fait, on doit bloquer. Oh mais what? Je vais faire crever le mec. Après, je sais même pas si on récupère en fait l'âge en arrière. Si on continue avec l'âge qu'on a. Je bloque, hein. J'étais totalement loqué. Hein. Ah bon, on peut plus. Hein. Là, c'est le max. 75 balles. Ah, il m'enlève. Ça a coupé. Alors, maintenant la grande question, est-ce qu'on récupère l'âge ou non?
Et je pense pas. Hein. Je pense qu'on est bloqué. On va voir. Donc là, c'est l'arbre de compétences. Voilà. On unlock des trucs. Ici, donc là, c'est... C'est à peu près où on doit aller. What? Âge 20 ans, ok. Là, de club. Donc on peut refaire les niveaux, je pense, et pour faire le meilleur âge possible pour continuer l'aventure, en fait. Ok. Bah là, là je vais pas aller loin, hein. 64 balais, hein. Je peux pas... Je peux pas remonter dans le temps. Exactement. Pardon monsieur, rentrez-vous. Je règle. Je me chauffe. Private party. Back off. Est-ce que tu connais. Voilà. Laisse tout. J'ai cassé ton bon. Ah, est-ce qu'on peut. Non. Pas le droit au petit soda ni aux chips. Ah, ça fait longtemps que je suis pas allé en discothèque. Yeah. What do you want? Alors, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que Sean, je veux? Where can I find him? Guys, we got a problem here. Ah bon? Ça t'apprendra un vide. Not so tough after all. No freaking way. Put that down. S'il y avait des trucs ici. Ah, le beat. Yes, party. Pose la vodka, dis donc, toi. Game over. Voilà, donc on peut pas passer à plus de 75. Ok. Ah ouais, donc voilà. Donc si on recommence celui à 20 ans. Et ici on recommence à 75. Ok. En fait, faut que je fasse ce niveau-là plus consciencieusement pour pas perdre de la vie. Je sais pas si c'est un petit peu chiant en fait ce système. Ils auraient pu faire un système de checkpoint quand même. They've blocked the entrance to the warehouse. Need to find another way inside. Get lost. Parce qu'en fait, après, c'est répétitif. Hey you!
I can make it. Just need to run at it. Come into our place? Stop him, for fuck's sake! Oh, man! De récupérer en fait les indices. Open up. Check. What are you doing? Holy shit. Not so tough after all. Oula! Merci, merci pour le raid. Merci, merci pour le raid. Alors attendez. Je vais faire juste cette petite phase. Je crois pas que je puisse arrêter. Je règle. Ah mon dieu! Hey god! Eh ben, il m'a tué. Voilà! Donc bah merci pour le raid Cyril 2.0. Bonsoir à tous. Bienvenue. C'est si fou. C'est exactement ça. Bonsoir Yazrod. Bah merci pour ton raid Cyril, c'est très sympa de ta part. Donc bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui on est sur du jeu moderne, on est sur du Sifu. Hello le VTE Calan. Bienvenue. Ça va bien, tranquille, et toi? Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu faisais de beau? Hein? Qu'est-ce que tu faisais de beau? Alors tac, on en profite pour faire un petit unlock. Il y avait quoi sur la chaîne? Alors ici, pour ceux qui ne le savent pas, on fait du rétro, normalement. Hein. On fait du rétro, de l'arcade, de la bidouille, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ben, on a fait... Il y a des petits jeux modernes qui tentent un petit peu pour essayer. Donc là, on fait un petit live découverte sur Sifu. Alors fin de la soirée sur Men in Black PS1. Sympathique. Le Men in Black sur PS1, c'est celui vu à la troisième personne, on est d'accord. Normalement, c'est ça. Hein. Parce qu'il y en a pas un, mais je crois que c'est sur PS2, c'est genre plus Resident Evil. Ah oui, l'arcade, c'est toujours sera sympa. Hein. Là, j'en ai pas fait durant le week-end, mais ça va se récupérer, quoi. Oui, Resident Like. Ok. Avec des caméras fixes. Eh ben, c'est sympa. Bon, alors là, le système de jeu. Hein, le système de jeu de Sifu, si vous l'avez pas vu. En fait, à chaque fois, quand on perd, on a une pénalité. Et la pénalité... Merci pour le follow, Yazrod. La pénalité, c'est-à-dire que quand on revient à la vie, ben, on prend de l'âge. Voilà, et en prenant de l'âge, et ben on arrive à un certain point, c'est game over, parce que voilà, on n'est pas éternel. Ah. Ah, j'ai fait un taunt.
J'ai pas fait gaffe. Là c'est une vue spéciale parce qu'on était dans un couloir. Et je pense qu'ils ont fait, le développeur a fait exprès. Alors sur PS2 il y en a un à la limite proche du shoot'em up. Ah ouais. Sur quel support? Alors là on est sur PC. Il est disponible sur console, c'est-à-dire next gen. Au moins PS5, PC, Xbox, hein, il me semble. Alors je sais pas s'il y a sur PS4, Xbox One, mais c'est de la next gen et PC. Next gen, current gen, voilà, parce qu'on a pu. Ah, c'est peut-être que PS5 et PC. Mais là, je suis sur PC. Alors, c'est des systèmes de combos et de contres, en fait. D'esquive, etc. Mais c'est balèze, hein. Là, je lui faisais un petit massage. Alors c'est esprit, c'est vraiment l'esprit des films hongkongais ou chinois. Il y a des trucs à balancer. Alors c'est-à-dire, il y a le petit banc là, je crois que le petit banc. Alors celui-là, pour l'instant on peut pas. Mais on peut faire comme dans les films de Jackie Chan, c'est-à-dire envoyer des tables, des machins, des trucs comme ça, avant d'amorcer, on va dire, des combos. Oh là là! Alors un coup mal placé, c'est-à-dire on a très peu de vie. Très peu de vie, donc là par exemple un petit coup dans la nuque et c'était mort. Donc voilà, on fait rise et en fait on prend 2 ans parce que c'est le petit compteur et on peut le diminuer, le nombre de l'âge. Si on fait pas mal de combos, si on perd, on prend pas d'âge et c'est assez rare, c'est très difficile à maintenir à zéro parce que dès qu'on se mange des coups, en fait on va prendre le compteur de l'âge, va augmenter. Alors, je sais pas s'il y a des trucs à choper là. On a une jauge d'endurance. Attends, on doit tout gérer. Voilà. Là je l'ai bloqué. Ah purée. Eh ben merci pour le follow. Alors je vais t'appeler juste VTE parce que je suis concentré, voilà. Je regardais le chat, c'est pas grave. Alors le problème, là ce niveau je l'ai déjà fait. Sauf que j'ai tellement pris d'âge que le deuxième niveau, j'étais trop vieux en fait pour pouvoir faire des continues, etc. quoi. Ah purée, et 3 coups, je suis à un quart de vie. 3 coups, je suis à un quart de vie. Bon là, j'ai juste fait un contre à la carotide. Alors voilà, là il y a un autre truc, c'est-à-dire que ils sont hypés les mecs. Voilà, dès qu'ils font un truc spécial, ils ont une aura et les mecs ils retrouvent toute leur vie. Et moi je suis quasiment à l'agonie. Et si je meurs, je prends 3. Et le petit squelette là, la petite tête de mort, c'est 3 ans que je prends à la gueule. On va pas le lâcher. Ah purée, pas réussi. La barre de fer te fait très mal, Cyril. Ouais. Alors là, on en profite. On a aussi l'XP qu'on va gagner. Et on peut débloquer simplement des enchaînements ou des coups. Voilà. Ce qui nous permet d'être un petit peu plus fort. Là, 4 ans, on se retrouvera 30 ans. Et l'aspect physique du joueur, en fait, va changer. Bon, on a poussé une barbe. Hein. On est un petit peu. On a le visage un petit peu plus marqué. Il y a un petit peu plus marqué, on voit un petit peu plus les cernes, etc. C'est compliqué en fait. Faut vraiment. Ce jeu-là, pour pas prendre, on va dire, de l'âge sur le personnage, pouvoir continuer pour les boss, parce que c'est très balèze. Faut vraiment être sur le contre, l'esquive et tout. Vraiment être très concentré.
Donc là, la statue, elle nous permet aussi de débloquer certains petits trucs. Voilà. Là, on a un petit peu plus de vie en fait. Ah là là, vas-y, faut pas rester au milieu d'eux. Hein. Mais vas-y quoi. Ils font trop mal. Hein. Ah bah bonne nuit, merci à toi pour ton raid Cyril. Très sympa, bonne soirée à toi et bon dodo. Un mini boss, j'espère que ça va bien se passer. Alors avoid, voilà, tac, faire des esquives. Et bah non, on n'a pas réussi. 33 balais. Donc voilà, là on a réussi à faire un combo sur un gros mec, etc. On a gagné entre guillemets moins une vie si on perd quoi. Donc on est passé de 3 à 2. Ça permet de faire des petits combos. Essayer de gagner un petit peu de vie. Who in the fuck are you? What the hell? Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on nous? Il y a une barre de fer ici. Ils sont balèzes. Là, tout à l'heure j'étais mieux sur cette partie là. Ça vient si je récupère le... Ah là là, vas-y. Si je récupère la barre de fer, ce serait top. Hein. Rien. Et il y en a deux. Ils ont récupéré les deux barres. Mais what? Là, par exemple, on prend plus de damage et on a moins de vie. On devient de plus en plus vieux. Une avant. Donc voilà, notre personnage, voilà, il a déjà des cheveux blancs, il a poussé la barbe, il est vraiment bien marqué. Et là, il y a de l'argent. Ah, ça compte. Hein. Là, la YouTube monnaie, elle est ici. Bon, alors.
Alors, mode coopération, eh ben, il me semble pas. Il me semble pas. C'est du solo. C'est du solo. C'est vrai que ça serait intéressant. Hein. Donc, le jeu, en fait, pour moi, il y a un défaut, on va dire, majeur pour l'instant. C'est-à-dire que, là, par exemple, alors, il y a... excusez-moi. Il y a l'intro... où on a vu voilà ce qui s'est passé, c'est-à-dire que notre maître, qui est notre père, s'est fait assassiner par des personnes qui étaient en fait des disciples. Et là en fait, on était un enfant, on avait dans les 10 ans, et donc on a vieilli, voilà, et on veut se venger de ces personnes-là. C'est à peu près ça le scénario classique, film hongkongais de kung fu. Sauf que on se retrouve donc là, et le jeu est basé sur des contres, des esquives, c'est-à-dire qu'on a les parties esquives, etc. Et on a partie contre. Voilà, parce que si on reste en protection, ça protège temporairement. Et si on fait pas de contre, ben, on n'arrive pas à faire des coups qui enlèvent de la vie. Au niveau des coups, on a coup de poing faible et fort. Sauf que faut les placer avec des certains combos et un certain timing. Voilà. Le défaut que pour l'instant on a, c'est j'ai fait déjà ce niveau et je l'ai déjà fini. Sauf qu'en fait, il faut se perfectionner pour finir le niveau avec le moins d'âge possible pour pouvoir commencer le prochain niveau avec le moins d'âge possible. Voilà. Et c'est le système de Game Over, c'est-à-dire on arrive à quand on est déjà très très vieux, bah voilà, on n'a plus de continu, on peut plus continuer, on peut plus prendre d'âge, voilà. Et en fait, ça peut enlever un certain plaisir, c'est-à-dire qu'il pourrait faire ce système-là de prendre l'âge par niveau, mais par exemple dans le prochain niveau, remettre l'âge à zéro. Et c'est un petit peu, voilà, ils auraient pu tourner le jeu un petit peu plus ludique. Vu que c'est un petit beat'em up, on va dire un beat'em up avec une histoire, etc. Peut-être maintenir le jeu un petit peu plus festif et non pas pénaliser le joueur sur ses erreurs. Voilà, pour moi, je pense que... Je pense que ça aurait fait du sens étant comme ça. Voilà. Ah, par exemple, je me fais buter, je reprends 4 ans. C'est-à-dire que si je finis le niveau avec 40 ans, eh ben je commencerai le deuxième niveau du jeu à 40 ans. Et c'est-à-dire que c'est compliqué parce que le jeu il est balèze. Hein. C'est des timings. Hein. Voilà, là il a tout contré quoi. Alors attends, après il y a un truc spécial, l'attaque, on peut lui faire des coups. Là, on l'a eu. Et en fait, on peut même pas récupérer de l'âge. Ça serait sympathique. Ça serait sympathique, permettre aux joueurs de pouvoir, en fait... Voilà, t'es monté à 44, etc. Ça va te pénaliser durant tout le jeu. Je sais pas, avoir une option pour retourner un petit peu... être un petit peu plus faible en âge. Mais ils ont pas fait. Ils ont pas fait. Le jeu, pour l'instant, il est comme ça. Parce que le jeu c'est un beat'em up, hein. Là c'est du couloir. Hein. Couloir avec des trucs scénarisés. Bon, tout à l'heure je suis passé là-bas. Attends. Excusez-moi madame. Voilà, dans la carotide. Et c'est vrai. Alors... Et ouais, VTE Calan, c'est très très chaud. C'est très très chaud comme ça en fait. Alors ils m'ont vu. Est-ce qu'ils montent ici ou est-ce qu'ils font tour? Ouais, ils font tour par ici. Et c'est difficile hein, parce qu'il fonce dessus à plusieurs. C'est pas comme dans les jeux où il y en a un qui attend, non. Ici, tu vois, j'étais en train d'attaquer un, les autres ils y vont à cœur joie. Je
vais essayer de choper des... Attends, il y a des trucs là. Là, normalement, il y a une interaction, je crois, avec ces trucs là. Oh là là, elle est pas apparue. Normalement, il y a la touche qui apparaît s'il y a une interaction avec le décor. Holy shit! Surtout pas, là je suis mort. Quand ils ont fait un contre comme ça, c'est mort direct. J'ai pas le temps de récupérer. Donc on passe à 47 ans. Là j'étais en protec hein. Il s'est mangé quand même le premier coup. Oh, là il est hypé en plus. Oh purée. Oh là là. Ah je suis deg là. Donc comme vous voyez à droite, moins de vie et plus de damage. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus c'est pire pour nous. On est moins actif. Alors ça avait bien marché cette technique et en fait oui. Ça nous évite de nous battre déjà pour le mec le plus fort. Sinon le jeu est assez fluide. Alors là, techniquement hein, c'est pas le jeu le plus beau de la Terre. C'est son style. Ouais. Oui, ils ont voulu faire un truc différent. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que ça marque peut-être l'actualité en ce moment. Voilà. Beaucoup en parlent. C'est grâce à sa différence, c'est grâce à son truc. Voilà pour le mec qui prend de l'âge, etc. Donc là, normalement, on arrive au boss. On arrive au boss. Hein. Alors, en premier. Ah, private room, ok. Là, il nous manque une clé. Tout à l'heure, je l'avais pas ouvert, donc... on sait pourquoi. Il nous manque la clé. Et là, on arrive au boss, boss de fin niveau. Tu valides? Oui, il est très sympa, hein. Il est très sympa. C'est pas un jeu, c'est un jeu qui est balèze. Voilà. Là, le boss, il est rempli de patterns. Là, il a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a la main verte. Donc, c'est l'un des disciples qui a participé à l'assassinat de mon père.
Ah, what? C'est qu'il est déséquilibré. Ah non, peut pas. Oh là là, il nous a fait mal. Là, il nous a fait mal. Putain, et trois balais. Ah, franchement, ils sont dégueulasses. Hein. Trois ans, quoi. Et en plus, il a deux phases. C'est-à-dire que là, c'est pas du tout la fin de sa vie. Là, il va attaquer la deuxième phase. On se retrouve dans une ambiance un petit peu plus Tenchu. Avec les roseaux. Il n'y en avait pas tant que ça sur PS1. Et donc là, le mec se cache dans les roseaux. Là, je me protégeais en fait, mais voilà. Comme il y a eu un contre, le bouton il fait rien. 57 ans. Vous imaginez le kung-fu dans tout son art, dans toute sa maturité. Putain, j'ai esquivé, mais trop tard. Grave mal. Putain, puis en plus les coups ils font que dalle. Ça enlève pas de vie quoi. Vous avez vu ce qu'il m'a balancé quoi? Alors je vais essayer d'esquive quoi. Eh ben non. Esquive au dernier moment ça ne marche pas. Protection requise. 61 ans. Bon, là je vais faire protection, on va voir ce que ça va donner. Ouais, ça a protégé. Ah purée. Ça fait penser à de la 2D. Tu parles de quel style disons, l'environnement. Ah, tu vois quand même que c'est la 3D. Mais peut-être l'aspect roseau, quoi. L'aspect roseau, peut-être. Ah, les couleurs, oui, un petit peu terne. Peut-être. Donc là, voilà. Premier mec. Vengeance sur un mec, on l'a assassiné. Donc on se retrouve dans notre dojo. Et on n'a pas rajeuni. Et quand je vais voir par exemple ici, c'est là où on voit les missions. Et ben on a The Club et on a l'âge en haut à gauche qui dit 66 ans. Alors ici on commence The Squad à 20 ans. Et donc The Club, vu que j'ai perdu, etc. etc. vu que j'ai été mauvais, bah ben voilà, dans The Club j'y arrive à 66 ans. Et il n'y a aucun moyen, pour l'instant j'ai trouvé aucun moyen et je pense qu'il n'y en a pas, de retrouver sa jeunesse. On peut s'entraîner ici. On peut aller ici voir l'arbre de compétences. Ils ont mis un arbre. Donc, où on peut débloquer des trucs. Voilà. Des coups, etc.
Mais en fait, rien d'autre. Alors, au niveau graphique, bon, il y a la patte différente, mais ça tue pas la rétine. Mais en tout cas, c'est jouable. On va à The Club avec 66 ans. On va à la discothèque. Ah, on arrive au The Club. Donc allons-y. Voilà, on se chauffe. Voilà, avec des passants. Allons-y. On entend le beat. Yeah? What do you want? None of your business. Voilà. Comme un film hollywoodien, c'est pareil. You can't keep up. Yes. Attention. It's the party, on est là. Charge des rigolos, parce que ça évitera qu'ils nous fassent des conneries. Putain, lui il est hypé, c'est chiant. Et hello Cap Silver, bienvenue. 72 ans, allons-y. La puissance dans l'œuvre de l'art. Oh là, je me fais déchirer, j'ai plus de vie quoi. J'ai plus de vie. Donc voilà, là on peut plus prendre de l'âge, on est trop vieux. Alors, on peut faire que ça, parce que try again, bah oui, il dit voilà, faut recommencer. Sauf que voilà, on gagne pas d'âge. Allons-y. Cette fois, je vais pas tabasser les mecs dans la rue, quoi. Surtout que son jean est déchiré, quoi. Regarde-moi ça. If you're not on the list, you're not getting inside. Private party. Back off. Oh là là, mais vas-y, quoi. J'ai déjà la moitié de la vie. On dégage. Allez. Si eux aussi font des esquives, ça va... Oh là 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 là, oh là là. Putain, il a récupéré un truc, il y avait une batte, je l'avais pas vu. Moi ta batte, toi. Allons-y. On va essayer de leur régler leur compte là. Can't keep up.
purée. Alors 6 ans, ça me fait 72. Faut que tu le chopes, hein. Ouais. Ah, ça peut être sympa. Ah, et le DJ, il est là. Ah. Et mince. Je voulais essayer un coup spécial et je me suis fait avoir. Bon, en tout cas, c'est ça qui est chiant. Voilà, par exemple, si je veux gagner, on va dire, commencer avec moins d'âge ici, je suis obligé de refaire la première mission. Et donc, successivement, les missions qu'on va avoir au fur et à mesure, chaque fois, faut les refaire et refaire et refaire pour faire vraiment à la perfection. Ah, tu le prendras donc plus tard. Alors, je vais juste retenter. Je vais juste retenter pour le fun, là. Sinon, faut y aller vraiment. C'est le jeu. Faut y aller calmement. Ah, t'as pris Horizon. Ah, Horizon, il me tente aussi. Il me tente aussi. Forget about it. If you're not on the list, you're not getting inside. Private party. Back off! I pity you! Yeah? Allez, respire pas. Voilà, au moins on perd pas de vie. Alors, il y avait une batte par ici. Yes, c'est ça. Ah, ah, ah. Où est-ce que tu vas? Alors, plus rétro, next gen, je prends que du lourd. Ouais, bah c'est à peu près pas mal de monde qui fait comme ça. Je me suis pas mal sorti pour l'instant. Bon, la meuf elle prend cher là. La meuf elle prend cher. Ah, il y a toujours des DJ là-bas. Alors, structure regen, c'est quoi ça? Est-ce qu'on regagnerait de la vie? Ça serait pas mal. Bouteille. Est-ce qu'il n'y a pas un truc de baseball? Alors, le passage, c'est par ici. Truc par. Voilà, monsieur.
J'ai rien fait moi, monsieur le pistolet là. Non, il va s'attaquer. Je suis deuil. Et what? Bon, j'ai un KO. Excusez-moi. Horizon, oui, sort à la fin du mois et ça, il s'annonce pas mal. Alors, faut faire des choix. Faut faire des choix, franchement. Oh, purée, vas-y. Ah! Et il est tombé le mec, il s'est fait trop mal. Putain, il y avait des trucs. Ouais, alors, bouteille dans le dos, c'est la mort. Bon, de toute façon, il n'y a plus qu'à refaire. Ça sera impossible après de faire les autres niveaux si on ne fait pas le premier niveau sans perte de vie. Quoi. C'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant quand tu veux progresser. Tu es obligé d'y aller calmement. Ou pas. Need to find another way inside. Get lost. No freaking way! Alors, vu qu'on a la clé, est-ce qu'on peut passer par en dessous, en fait? Est-ce qu'ils nous permettent de faire ça? Ah, ils permettent. Ok. Ok, ça... Ah, c'est un deuxième passage, ok. C'est un deuxième passage, on n'était pas passé par ici. Hey, how'd you get in here? Monsieur, vous avez jamais dit que c'était... mal de fumer? Holy shit! Essayer d'y aller plus être plus consciencieux. You're looking to score something? Il y avait une porte là, je sais pas s'il y a quelque chose. Non. Oui, il fracasse, c'est un, le bon jeu de mots. Le bon jeu de mots. Ah, on arrive en bas, ouais. Ok. Est-ce qu'on peut faire infiltration? Commencer par lui. Oh là, ça. Voilà.
Ah, vas-y. J'étais encerclé. Bon, un an, c'est pas grave. What? Ça me fait trop mal, le mec. Le mec, il récupère. Alors, il y a un bambou en haut. Mais vas-y. Putain, et on peut plus se protéger hein, durant un bon bout de temps. En deux coups de machin, on se fait buter. Puis en plus ça c'est aléatoire. C'est aléatoire le truc. C'est-à-dire que tu vas le finir. Et le mec après il récupère toute sa vie. Et en plus il fait super mal après parce qu'il est vénère. Là par exemple j'étais tout le temps en protection. En fait, le coup de pied rouge m'a totalement buté. Alors là, on sait la technique. De perdre de la vie. C'est l'affrontement du boss. Locked. Ok, on est reparti au boss. Hein. Alors oui, c'est exactement ça, Capsileur. Faut jouer. Attends, faut jouer la garde jusqu'à un certain point parce que certains coups sont des casse-garde et tu te manges une punition énorme après. Et faut jouer sur l'esquive. Là, par exemple, ce boss-là, c'est vraiment esquive, garde, etc.
Et en plus, nos coups n'enlèvent quasiment rien, alors que eux font très très mal. Tu vois, à chaque coup, ça fait trop mal. Que nous, on n'arrête pas de l'atteindre, et puis rien. Ah, purée. Là, j'étais en garde, hein. Sauf qu'à partir d'un certain moment, c'est foutu. Garde et je me suis mangé quand même des dégâts. Là pareil, casse-garde. Là on est obligé d'esquive. Purée, ça c'est chaud quoi. Voilà, et je vais encore perdre. Tu vois ? Parce que le truc, il est super vicelard. La protection partout. Hein. Voilà. La protec, mais il y avait un casse-garde. Le coup a été fait avec. Tu vois, il avait une aura rouge sur le pied. J'étais obligé d'esquiver. Sauf que faut y aller, quoi. Faut avoir de la réaction. Je savais pas qu'il mettait un. Je pensais le planquer là. Et l'esquive, là j'étais sur le côté. Hein. Et le truc, il se le mange quand même. C'est dur! Ça, il me l'avait pas fait ce coup-là. Aujourd'hui, il y a vraiment des petits problèmes de codec. Hein. Ça ne veut pas. Purée. Sérieux.
Ça saoule. Ça saoule. Et le coup était dirigé vers le devant et le mec il a fait une déviation en mer, c'est génial. Je maintiens le L1 en formation en protection, le truc il veut pas. Purée. Ah, là je vais être pire que tout à l'heure. J'étais combien? 66. Bah c'est le même âge. C'est le même âge. C'est le même âge que quand je l'ai buté, quoi. C'est la même chose. Je pense que pour aujourd'hui, hein, je pense qu'on fera pas mieux. Hein.